Bonsoir à tous et à chacun, bienvenue sur le direct Viens Saint-Esprit. Voilà, j'ai un peu le sourire parce que j'avais oublié quelque chose. Donc ça m'a fait bien rire. Donc merci d'être présent, merci à vous qui êtes fidèles. Viens Esprit Saint, dit Véronique. Il y a Marie aussi des USA. Il y a aussi Caroline qui confie ses enfants, il y a Michael de la Martinique, je souhaite un bonjour à tous les Martiniquais, et à vous en particulier, bien sûr. Alors, je suis en direct, moi je suis en Vendée, et je suis avec le Père Jean-Baptiste qui est à Sceaux, pas très loin de Paris. Bonjour Père Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour à tous. Alors certains le connaissent parce que on a fait déjà des directs avec lui. Je ne sais pas si vous avez suivi déjà les Fire Globe. Donc il est toujours partant, voilà. Alors quand il le peut, bien sûr. Donc là, il est bien pris parce que il est curé de Sceaux. Donc si tu... Alors effectivement, Sceaux, c'est une paroisse de la région parisienne. Et j'ai la joie d'être curé là-bas depuis quelques mois. Donc, c'est une paroisse qui est confiée à la communauté du Verbe de vie. Donc, on est plusieurs frères et plusieurs sœurs du Verbe de vie ici en mission dans cette paroisse. Voilà, pour annoncer Jésus avec plein de frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Et vraiment un très beau lieu. On vit des très belles choses. Et même là, pendant le temps de confinement, on retransmet toutes nos célébrations en direct. Il y a vraiment, on sent le feu de Jésus, le feu de l'Esprit Saint qui brûle dans les cœurs avec ce désir de continuer à annoncer la bonne nouvelle, de rester ensemble dans la prière, unis avec Jésus qui nous entraîne. Ben, on est content d'être avec toi, Père Jean-Baptiste, et j'espère que nous allons vivre un bon moment. Alors n'hésitez pas à témoigner si vous avez vécu des choses, si vous êtes touché par une parole ou alors par un temps de prière, par quelque chose. Ben, n'hésitez pas à le dire, soit sur le chat, sur le commentaire, bien sûr on le lit, moi je le transmets au Père Jean-Baptiste. Alors dans les infos, je le redirai à la fin, mais aussi il y a encore une info, c'est que la semaine prochaine, on va vivre un temps de miséricorde avec le Père Jean-Baptiste. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous le faire connaître. Parce que on va faire, ça ne sera pas à la même heure, ça sera à 21h samedi 18 avril. Alors je vais vous mettre le bandeau là, pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et non, c'est pas là, c'est le Père Jean-Baptiste qui est là. Voilà le bandeau. Donc on se retrouve samedi. Ah non, c'est pas celui-là non plus. Bon, on va y arriver. Alors, ah ben voilà, c'est celui-là. Le 18 avril à 21h, alors si vous pouvez faire passer un beau temps de miséricorde, et là, on fera des intercessions en direct, on va vraiment invoquer l'Esprit Saint, comme on va le faire ce soir, mais ça sera un petit peu plus long, on va prendre le temps. Donc faites-le connaître, faites connaître ce temps, voilà. Donc, attends, on t'entend pas. Oui. Je disais, ça sera spécialement pour la fête de la miséricorde, demandée par Jésus à Sainte Faustine, donc samedi prochain à 21h. Avec des très beaux chants aussi de la communauté du Verbe de vie. On sera plusieurs frères et sœurs à animer ce temps. Voilà, ça va être béni. Donc voilà, je te laisse, frère Jean-Baptiste. Tu peux commencer. Donc un petit topo assez court et un temps d'intercession. À peu près la même durée avec le père Jean-Baptiste. À tout à l'heure. Voilà, chers amis, alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est un jour très particulier, c'est le samedi saint. Ça veut dire que c'est la journée entre Vendredi Saint, où Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie, et ses disciples étaient tous partis, on a l'impression que c'est fini, quoi, c'est foutu. Comme disaient les disciples d'Emmaüs, c'est nous qui espérions que c'était lui qui allait sauver le peuple, et puis il se retrouve sur la croix comme un maudit, c'est la catastrophe, quoi. Voilà, un peu dans nos vies, il peut y avoir ces lieux-là qui sont des lieux de... Des lieux de mort, en fait, des lieux de... On dit c'est mort, comme disent les jeunes souvent, c'est mort, c'est foutu, c'est... Voilà, il n'y a plus rien à voir. Et des lieux de mort qui peuvent plomber nos vies comme ça pendant des années parfois. Des choses qui remontent même à notre enfance ou à notre adolescence ou qu'on a vécu jeune adulte, etc. Et qui peuvent rester comme ça dans notre vie. Et ça, c'est terrible. Je pense à un drame qu'on a vécu, des choses de mort qu'on a pu vivre dans notre vie... des accidents, des deuils,
même pour des personnes qui ont subi l'avortement, avec des dépressions. Voilà, on ne cherche pas à savoir la faute à qui, mais des morts dans nos vies qu'on a pu vivre. Et voilà que Jésus lui-même prend sur lui notre mort. Il vit cette mort le Vendredi Saint. Et on sait qu'on va entrer dans la joie de la résurrection. Hein, dimanche, Pâques, demain, c'est la résurrection du Christ, le cœur de notre foi. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et entre les deux, il y a cette journée d'aujourd'hui, le Samedi Saint. Et qu'est-ce qui s'est passé le Samedi Saint? Apparemment, rien, c'est une journée de vide, hein, d'attente. Voilà, on attend. Mais est-ce que c'est vraiment aussi vide que ça? Eh bien, que nous dit la parole de Dieu? Alors, quand on lit Saint-Pierre, la première épître de Saint-Pierre, Saint-Pierre qui était le premier pape, donc enseignement du premier pape, Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre au chapitre 3, verset 19, il nous dit que le Christ lui-même est mort pour les péchés, ce que je vous disais, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu. Donc, Jésus est mort le vendredi pour nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va fêter à la résurrection, Jésus a été ressuscité par le Père dans la puissance de l'Esprit-Saint. Et Pierre ajoute, Saint-Pierre, c'est en lui, en Jésus, qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche. Donc, Saint-Pierre nous dit que qu'est-ce qu'a fait Jésus le Samedi Saint? N'a pas rien fait, il est descendu aux enfers, on dit, c'est-à-dire au Shéol, au séjour des morts, et il est allé prêcher, nous dit Saint-Pierre, aux esprits en prison, qui étaient prisonniers de la mort. Tous ceux qui étaient morts avant Jésus, si vous voulez, qui étaient comme prisonniers, et que Jésus est venu sauver, libérer. Il est venu les visiter dans les enfers. C'est pour ça que nous, sur la terre, on voit rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais Jésus vient dans les profondeurs, jusqu'aux enfers, pour nous tirer de la mort. Alors, j'aime beaucoup cette icône que vous connaissez peut-être, du Christ ressuscité, justement, qui s'appelle l'icône de la descente aux enfers. Icône de la descente aux enfers, où on voit Jésus, vous voyez, qui vient chercher Adam. Hein, voilà, là, de ce côté de ma main, on voit, il empoigne Adam. Adam, qui était justement dans les enfers, dans la mort. Il vient le chercher pour le ressusciter. Jésus est ressuscité. On voit, il marche sur le tombeau. On voit le sépulcre blanc, là, dont il jaillit. Il est vainqueur. Et de l'autre côté, il y a Ève. Il vient la chercher aussi. Et il y a tous les justes qui attendent ici. Ils attendent la résurrection d'entre les morts. Voilà. Et au-dessus, vous voyez les anges et la croix qui contemplent. Et Jésus est descendu dans les profondeurs. Voilà. C'est vraiment la grâce du Christ vivant, ressuscité, qui vient nous chercher dans les profondeurs de la mort. Ça, c'est le Samedi Saint. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est ce qui se passe en ce jour. Le Christ est mort, a donné sa vie pour nous. Et concrètement, il veut nous ramener à la vie. Et pour cela, il veut visiter les profondeurs de nos cœurs, pas seulement donc, les profondeurs des enfers, mais les profondeurs de nos cœurs, de nos âmes, comme je vous disais. Il peut y avoir ces lieux enfouis depuis très longtemps dans nos vies qui sont marqués par la mort, qu'on a pu enfouir, on a pu, vous savez, voilà, on essaye de s'asseoir dessus, on dit « je vais oublier », voilà. Mais en fait, c'est toujours là. Et c'est quelque chose, il y a des poids comme ça, des poids qu'on traîne, de culpabilité, de regret, de peur, d'angoisse même parfois, des poids de mort, des paroles de mort qu'on a pu recevoir, quelqu'un qui nous a dit « mais nos parents, t'es nul, tu vaux rien », voilà, quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a lâchés, abandonnés, méprisés, humiliés, abusés, que sais-je. Voilà. Et dans cette puissance de la résurrection, on va prendre le temps de prier là, ce soir, puisqu'on va entrer dans la résurrection tout à l'heure, hein, dans la grande vigile pascale ce soir, qui va être à 21h30, enfin ici à Sceaux, c'est à 21h30, ça sera retransmis en direct, si vous allez sur la chaîne YouTube de la paroisse de Sceaux, ou aussi sur le site internet de la paroisse de Sceaux, mais il y a d'autres lieux aussi où on peut comme ça se connecter pour vivre la vigile pascale, c'est très beau. Mais dès maintenant, on va déjà prier pour demander à Jésus, dans cette grâce de sa descente aux enfers, qui viennent nous chercher, comme il est venu chercher, voilà, vous vous souvenez, Adam là, Adam à ma droite, j'aime bien, il vient l'empoigner. C'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Et pour cela, eh bien, il faut se laisser saisir par le Christ. Il faut laisser Jésus entrer dans la profondeur de nos cœurs, de nos âmes. Il ne faut pas rester à la surface. Et c'est pour ça, parfois, on a besoin de prendre du temps avec Dieu. Même parfois, on a peur du silence, parce qu'on a peur de se retrouver seul avec soi-même. On angoisse dans le silence, il y a du vide, que sais-je.
Mais en fait, prendre du silence avec Dieu, c'est très important. Parce que quand on va faire silence, en présence de Dieu, pour dire « Seigneur, voilà, tu es là, présent, je t'adore, et je veux t'accueillir », peut-être une angoisse va remonter, un poids de mort, une colère, une révolte, que sais-je. Et c'est très important, tout ce qui remonte là, eh bien de le donner à Jésus pour qu'il puisse le prendre. Comme il a saisi Adam hein, sur l'icône, il faut que Jésus puisse prendre tout ça, tout ce qui est dans la mort, comme Adam qui était dans la mort parce qu'il avait désobéi à Dieu avec Ève. Et tous ceux qui ont précédé Jésus, il vient les chercher. Mais pour cela, il a besoin de notre foi, j'allais dire, de notre oui, de notre permission. Dieu ne nous forcera jamais, Jésus ne nous forcera jamais. Il veut nous sauver, il veut nous ressusciter avec lui, il veut nous ramener à la vie. Hein, comme vous avez vu derrière, on a ces magnifiques arbres en fleurs là. C'est déjà la vie qui jaillit, quoi. Et cette vie-là, on veut l'accueillir, cette vie de Dieu dans nos cœurs. Et il faut se laisser empoigner, se laisser saisir par le Christ lui-même. Et dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je te remets ce moment peut-être le plus difficile de ma vie, ce poids de mort, de désespérance, de colère, de découragement, de culpabilité que je porte en moi. Seigneur, je te le remets, je te le donne maintenant. Prends-le, emmène-le avec toi dans ta victoire, dans cette victoire de ta résurrection. C'est trop pour moi. Et vous voyez, Jésus vivant, ressuscité, mort et ressuscité pour nous, est le seul, à pouvoir faire cela, à pouvoir venir chercher ces lieux enfouis en nous, peut-être depuis des années. Mais lui, il est hors du temps. Maintenant qu'il est mort et ressuscité, il est venu, comme cela, chercher Adam et Ève, donc qui étaient morts bien avant lui, et il est venu aussi pour nous, qui vivons bien après sa mort et sa résurrection. Il est toujours capable de sauver. Et ce qu'on fait à Pâques, c'est vraiment ça, cette victoire du Christ ressuscité et de son amour miséricordieux. Parce que quand Jésus vient et descend pour chercher sauver Adam et Ève, eh bien, il ne les juge pas, il ne les condamne pas. Vous avez remarqué sur l'icône, il prend Adam. Hein, et regardez, c'est très beau ce regard de Jésus. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, Jésus qui regarde, il regarde Adam. Et c'est comme il lui dit, mais viens, viens et suis-moi. Viens, je t'entraîne dans la vie, dans la résurrection. Viens et suis-moi, je ferai de toi un vivant. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Laisse-toi faire, laisse-toi aimer, laisse-toi entraîner. Voilà, je t'ai tout pardonné. À la croix, Jésus a tout pardonné. Même les péchés, les pires, même cette pire désobéissance d'Adam et Ève, on pourrait dire, bah, eux, ils vont prendre cher parce que voilà, à cause d'eux, ça a été toute l'humanité. Maintenant, Jésus vient les chercher dans son infinie miséricorde et dans, voyez, cette infinie douceur de son amour miséricordieux et également extrême puissance de son amour miséricordieux qui sauve. C'est cet amour du Christ ressuscité pour nous et qui n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur même de nos morts intérieures. Tout ce qui nous semble impossible, le Christ peut venir le visiter et nous allons lui demander de le faire dans quelques instants. Voilà, restez bien avec nous, hein, puisque juste dans quelques instants, eh bien, en terminant cette prédication, je voudrais prendre un temps avec vous pour pouvoir supplier Jésus vivant, ressuscité, dans sa descente aux enfers, de venir nous visiter chacun et chacune, profondément. Et puis, on va lui demander de venir visiter les enfers, peut-être de personnes qu'on connaît, qui souffrent, qui ont du mal, peut-être des personnes malades, maintenant, du Covid. Qui sont ou des personnes isolées, des personnes seules. Parfois, il y a des personnes avec le confinement aussi qui finissent par péter un câble, qui n'en peuvent plus, ou c'est dur à la maison, c'est dur dans le couple, on a envie de se... Il y a des violences, voilà, on est les uns sur les autres, que sais-je. On ne s'entend plus. Eh bien, on va demander à Jésus de venir visiter tous nos enfers, parce qu'il nous aime, parce qu'il est vivant, parce qu'il est le sauveur. Toi, mon frère, ma sœur, qui m'entend aujourd'hui ou qui est... branché en replay sur ce Fire Globe, eh bien, sache que Jésus t'aime, qui que tu sois, quelle que soit ta religion. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'un Dieu qui nous aime, d'une personne vivante qui est Jésus de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour toi. Et maintenant, dans ce temps de prière que nous allons prendre, tu peux accueillir le Christ comme il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, nous dit la Bible. Toujours le même pour venir sauver. Tu peux l'accueillir dans ta vie, tu peux lui dire « Oui Jésus, viens, j'ai tellement besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton salut. Je suis errant, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, comme on dit, je ne sais plus à quel saint me vouer. » Eh bien, c'est à Jésus qu'il faut nous confier. C'est lui le saint d'Israël,
le Saint de Dieu, venu pour nous sauver. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors pour le Seigneur, rien n'est jamais perdu. On va lui demander maintenant voilà, de visiter nos enfers, de descendre au plus profond de nos cœurs, dans tous ces lieux de mort, de souffrance, de violence, de haine, que sais-je, que nous lui présentons, ces lieux de désespérance aussi. Ça peut être des lieux en nous, ça peut être chez d'autres, dans les lieux que nous connaissons, dans des familles, dans des pays. Voilà. Jésus vivant, ressuscité, n'est pas confiné. Même au séjour des morts, il a pu descendre pour nous libérer de la mort et du péché. Il n'est pas confiné. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors voilà, Seigneur, maintenant, nous nous mettons en ta présence. Toi, Seigneur, qui es partout présent, par la grâce de ton Esprit Saint, Jésus, et par ton sang versé à la croix de Golgotha, qui vient nous libérer de la mort et du péché. Tu veux maintenant nous visiter dans cette grâce de ta descente aux enfers que nous célébrons aujourd'hui, samedi saint. Tu viens nous visiter au plus profond de nos cœurs, de nos âmes, au plus profond de l'humanité, dans les lieux peut-être de plus grande désespérance. Seigneur, nous voulons te dire que nous croyons en toi, que nous t'aimons. Jésus, tu nous as dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et Seigneur, nous sommes réunis ce soir, aujourd'hui. Nous sommes réunis à travers les réseaux sociaux, mais nous sommes bien réunis. Et ta parole est vraie. Nous t'accueillons, Jésus. Tu es là au milieu de nous. Amen. Je n'ai rien à moi, mais elle descend, Jésus. Que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Seigneur Jésus, nous crions vers toi. Descends sur nous, descends dans le cœur de nos frères et sœurs. Viens visiter les cœurs endurcis, les cœurs attristés, les cœurs découragés. Viens visiter nos âmes, Seigneur. Viens libérer plusieurs femmes qui ont subi un avortement, même dans leur jeunesse. Le Seigneur, viens les libérer, viens les entraîner. Dis, ne reste pas dans la mort, ne reste pas dans le remords, le regret. Demande-moi pardon. Je suis ton sauveur, je suis ton Dieu. Je viens te libérer, je viens te pardonner. Ton enfant, il est auprès de moi maintenant. Je l'ai ressuscité avec moi. Et il t'aime, il t'a pardonné aussi, il te connaît. Il prie pour toi, avec toi. Et tu pourras, un jour dans l'éternité, vous vous retrouverez pour toujours. Tu pourras le serrer dans tes bras, sur ton cœur. Mais dès maintenant, tu peux lui demander pardon, tu peux me demander pardon. Et tu peux accueillir ce pardon de Dieu, ce pardon de ton enfant. Tu peux te réconcilier avec lui, avec moi, avec toi-même. Je veux te donner une nouvelle vie. Accueille cette vie nouvelle que je te donne maintenant dans mon pardon. Je viens te visiter. Laisse les larmes couler. Laisse les larmes couler. Laisse ma miséricorde, mon amour te soigner, guérir tes blessures. Viens Jésus, viens. Présentons toutes ces femmes, toutes ces personnes. Merci Seigneur pour toutes les intentions qui nous sont confiées. Tes yeux donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ah oui Seigneur, tu nous ramènes à la vie Jésus, nous avons confiance en toi, viens maintenant, viens libérer toutes ces situations inextricables, ces nœuds, ces difficultés, ces angoisses Seigneur. Viens au plus profond des cœurs comme tu es descendu chercher et sauver Adam et Ève. Ah Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Gloire à toi, tu es vivant Jésus, tu es le Sauveur. Il y a des
sœurs musulmans qui regardent aussi. Mon frère, ma sœur, tu es le bienvenu, Dieu t'aime. Et Jésus veut aussi te bénir, te sauver, te libérer. Confie-toi à lui. Il est vraiment le sauveur de tous les hommes. Il t'aime, il nous aime, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre religion. Voilà, Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu ne fait pas exception des personnes. Ouvrons nos cœurs. Demandons-lui pardon si nous avons des péchés sur la conscience. Il est tendre, il est miséricordieux, il est le sauveur. Accueille son amour maintenant pour toi. Accueille le pardon qu'il te donne pour les mauvaises choses que tu as pu faire dans ta vie. Reconnais, demande pardon. Cherche à réparer par la suite de ta vie. Accueille sa miséricorde. Il est le sauveur, il est vivant. Amen. Merci Jésus, merci. Merci pour ces frères et sœurs que tu réconcilies avec toi, avec eux-mêmes. Tu leur redonnes une dignité, la dignité d'enfant de Dieu, enfant bien-aimé du Père. Ils peuvent se regarder en face dans la glace maintenant. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces sourires que tu rends au visage. Ces personnes qui peuvent y voir clair dans leur vie aussi, qui voient à nouveau la lumière, l'espérance en toi Jésus. Accroche-toi à Jésus, crie vers Jésus, frères et sœurs, criez vers Jésus. Vous pouvez crier là où vous êtes, Jésus sauve-moi, Jésus. Jésus viens, Jésus sauve-moi, libère-moi, Jésus je t'aime, Jésus je t'adore, viens Seigneur, viens, come on, Jesus, you are our Savior, tu es notre sauveur, tu es notre libérateur. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré, je n'ai rien à voir. Ta grâce m'a trouvé Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, c'est le jour du salut pour moi. Je regarde cette vidéo et maintenant, le Seigneur vient me visiter. Voilà. Plusieurs frères et sœurs ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ils sont comme saisis, ils sont comme bouleversés, ils sont comme émus, troublés. C'est le Seigneur qui vient. Ne cherche pas à comprendre, mais ouvre ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens, viens, je t'accueille, je t'adore. Ouvre ton cœur, Seigneur, appelle-le. Remets-lui ta vie. Dis-lui, j'ai confiance en toi. Amen. Demande-lui pardon si tu as des péchés sur la conscience. Accueille son pardon et sa miséricorde. Plusieurs personnes confient leur couple et le Seigneur vient en ce moment bénir des couples. Il vient les rejoindre, les toucher et peut-être mettre un baume de douceur sur certains couples. Peut-être que pour certains ça ne va pas être une guérison, quelque chose qu'ils attendent. Mais en tout cas le Seigneur les entend. C'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient. Accueillez-le, frères et sœurs. Accueillez-le. Il est le Sauveur. Regarde-le. Regarde ton Sauveur et dis-lui merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Jésus. Merci de venir me sauver, de me visiter concrètement dans mon couple, dans ma famille, dans cette situation où je visite mon mari, mon épouse. Bénis-le, bénis-la, sauve-la. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Pose ta main sur ces frères et sœurs qui se confient à toi. Pose ta main, Jésus. Ta main de sauveur. Ta main qui guérit, qui façonne. Ta main de créateur. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, gloire à toi, Jésus. Quelle joie, Seigneur, d'avoir un Dieu comme toi. Un sauveur comme toi, Seigneur. Viens remplir nos cœurs, nos vies maintenant. Et Seigneur, nous invoquons maintenant la puissance de ton Esprit Saint sur tous nos frères et sœurs qui regardent, qui se sont connectés, qui t'ont accueilli. Jésus, visite-les dans la puissance de ton Esprit Saint. Ressuscite-les dans la puissance de ton Esprit Saint. Une vie nouvelle, Seigneur, nous te demandons pour chacun, chacune, pour ces couples, pour ces familles, pour ces nations, pour nos peuples, Seigneur. Une vie nouvelle pour nos responsables politiques, économiques. Jésus, viens aussi les toucher, les libérer. Viens leur donner la vie, la joie, l'espérance, Seigneur. À tout homme qui se confie en toi, Jésus. Jésus, viens, envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens au nom de Jésus, notre Seigneur. Viens nous visiter, viens nous guérir, nous consoler. Koria shakarabataya rabakaria konia nanama. Koria, si vous priez en langue, frères et sœurs, ouvrez la bouche. Faisons monter notre prière en esprit pour vers le Seigneur. Koria shakarabataya koria. Viens,
Korabakatya Rabashakarabakarya Kiryu Korya Shakarabataya Rabakarya Kiryu Kiryu. Le Seigneur invite plusieurs à invoquer son saint nom et son sang précieux. Invoquer le nom de Jésus qui sauve et le sang précieux de Jésus qui sauve. Dans ces situations peut-être difficiles, inextricables, aussi parfois d'oppression diabolique, des personnes qui ont des cauchemars, qui peuvent avoir les maris, femmes de nuit. Invoquez le nom de Jésus, le sang de Jésus, qui vienne libérer les profondeurs de vos cœurs, de vos âmes, qui vienne couper tous ces liens parfois maléfiques qui unissent nous. Tous les frères et sœurs qui ont pu ouvrir des portes aux démons aussi, en consultant des voyants, des magiciens, des guérisseurs, des occultistes de tout style, des magnétiseurs. Voilà, demandez pardon, renoncez à toutes ces pratiques occultes. Demandez pardon à Jésus, le Sauveur, et accueillez son amour. Dites-lui, Seigneur, je regrette, je te demande pardon. J'ai ouvert des portes aux démons, à des esprits mauvais avec ces pratiques occultes. Et je ne savais pas ce que je faisais, Seigneur. Je te demande pardon et j'y renonce. Et maintenant, je te demande, Jésus, viens, viens dans ma vie et viens me libérer. Viens, Seigneur, par la puissance de ton sang précieux, par la puissante intercession aussi de la très sainte Vierge Marie, de son cœur immaculé. Jésus, sauve-moi, libère-moi. En ton sang précieux, guéris-moi, délivre-moi de tout mal, Seigneur. J'ai confiance en toi. Amen. Merci, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs que tu délies maintenant. Père, au nom de Jésus, tu les délies, tu les libères. Ils peuvent maintenant aller vers toi. Ils peuvent aller vers la lumière, dans la paix, la joie. Seigneur, tu les délies. Père Jean-Baptiste, tu peux remettre l'icône. Je sens vraiment que le Seigneur veut à nouveau, comme sur l'icône, le Seigneur veut faire sortir des personnes de leur enfer, de leur douleur, de leur profondeur, de leur miséricorde, de leur misère, pardon. Laisse-la un petit peu si tu peux, si tu veux bien. Le Seigneur vient sortir des personnes, comme il le prend par la main et les sort, il les emmène. Seigneur, tu es vivant, tu es toujours le même pour intercéder, pour nous sauver. Tu es vivant, Jésus. Alléluia, alléluia, tu es vivant. Tu es vraiment le Sauveur, toujours le même pour intercéder pour nous. Viens, Seigneur, ton sang précieux a coulé à la croix de Golgotha pour nous libérer de la mort et du péché, Jésus. Gloire à toi. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Alléluia. Merci, tu viens. Tu descends, Seigneur, au plus profond de nos cœurs, nos âmes, dans ce qui était peut-être le plus enfoui. Oh, Seigneur, oh oui, tu viens chercher ça, ce qui semblait perdu. Tu viens libérer, tu viens ramener à la lumière. Les frères et sœurs qui aimaient pas, qui osaient pas être eux-mêmes, qui aimaient pas, ils avaient l'impression de s'afficher, mais en fait, le Seigneur leur demande de déployer les talents, tout ce qu'il a mis en eux. La joie de vivre, ils ont envie de parler de lui aussi. Ils ont envie de témoigner de leur foi du Seigneur, ils ne savent pas comment faire, mais le Seigneur vient les libérer maintenant. Viens leur donner la paix, la joie, l'espérance, viens leur donner une langue nouvelle, un esprit nouveau, un cœur nouveau pour parler de lui. Ça va sortir tout seul, alors laissez jaillir, quand ça viendra, n'ayez pas peur, vous ne vous reconnaîtrez pas, vous direz, mais d'où me viennent ces paroles, j'ai envie de parler du Seigneur, j'ai envie d'encourager, j'ai la paix, la joie qui viennent dans mon cœur, les paroles, l'encouragement. Bien, laissez jaillir, frères et sœurs, c'est le don de Dieu, c'est la puissance de Jésus vivant en vous, c'est l'Esprit Saint qui parlera. Voilà, c'est pas vous qui parlerez, Jésus, c'est mon Esprit qui parlera en vous. Laissez jaillir. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur, que tu mets dans le cœur de tous ces frères et sœurs. Et Katia a reçu une phrase, il est temps de quitter vos tombeaux. Et c'est une phrase prophétique, sortez de vos tombeaux, nous dit Katia. Et c'est la phrase de Jésus, c'est pas Katia qui le dit, mais elle le sent que c'est lui qui dit ça. Amen, amen. Comme à Lazare, il nous dit, sors, sors, Lazare, sors. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, connecté au son de ma voix, sors, sors et viens à la lumière. Jésus t'appelle. Jésus est vivant, Jésus est le Sauveur. Obéis à sa parole. Peut-être tu as l'impression que c'était paralysé, mais au nom de Jésus, sois maintenant libéré. Au nom de Jésus, sois maintenant guéri. Sois pardonné. Que ton cœur brisé soit maintenant réconcilié. Au nom de Jésus.
je brise la puissance des enfers sur ta vie, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Je brise toute puissance de mort dans ta vie, mon frère, ma sœur. Que tu puisses maintenant te lever avec le Seigneur. Voilà. Lève-toi et marche. Voilà. Que les paralytiques physiques ou intérieurs puissent maintenant se lever au nom de Jésus. Amen. Seigneur, guéris-nous de toute paralysie intérieure, de la parole, de l'intelligence, du cœur, de l'âme. Amen. Les frères et sœurs qui ont du mal aussi à partager leurs sentiments, leurs affections, leurs... Voilà. Comme coincés intérieurement. Viens les libérer. Je leur redis, sors de ton tombeau. Viens la lumière. Viens et témoigne de mon amour. Partage mon amour avec eux. Amen. Ah oui Seigneur, tu es vivant, merci Seigneur, tu es vivant, tu es venu nous visiter, tu es venu nous visiter ce soir, tu viens encore, et c'est qu'un commencement frères et sœurs, parce que le Seigneur a commencé, il va le continuer, même si on arrête le Fire Globe, vous allez pouvoir continuer à laisser descendre cette grâce en vous, à parler à Jésus, à vous confier en lui, à laisser sortir aussi peut-être l'amertume, la colère, la tristesse, pour que voilà, la paix et la joie viennent. C'est qu'un commencement, c'est la résurrection qui commence. On est au tout début. On entre dans cette joie de la résurrection. Voilà, laissez-la entrer dans vos cœurs, Jésus. Et j'ai sur le cœur aussi que le Seigneur, pour certains, dit que vous pouvez dire le nom de Jésus, peut-être ce soir justement. Dites le nom Jésus, Jésus. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Jésus, Jésus. Amen. Amen. Et oui, à chaque fois que vous l'invoquez, que vous dites ce nom, même si c'est dans votre lit, dans là où vous êtes, eh bien, c'est comme penser à cette image du Christ ressuscité qui viendra vous visiter, qui viendra vous visiter à ce moment-là. Chaque fois que vous l'appelez, Jésus est toujours là pour sauver. Il répond à toutes nos prières. Invoquez-le dans vos détresses, vos angoisses. Continuez, continuez, frères et sœurs. Jésus. Jésus, Coria, Shakarabataya, Rabakir. Shakarabataya, Rabakir, Rabakir. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alors Père Jean-Baptiste, on peut peut-être finir par une bénédiction solennelle, une bénédiction d'église, et puis aussi toutes les personnes, bien sûr vos intentions, on ne les a pas toutes lues, on ne les a pas, mais sachez qu'on les portait avec vous, c'est vous qui les apportiez au Seigneur, on prie ensemble, on prie aussi pour vous, mais on prie ensemble, et toutes les intentions, le Seigneur les a entendues, on les a déposées. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, frères et sœurs, que le Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, continue de venir vous visiter, qu'il accueille auprès de lui, qu'il prenne à son compte toutes ces intentions que vous avez déposées, ces prénoms de frères et sœurs, d'amis, de parents, d'enfants, de familles, que vous avez pu déposer au pied de sa croix. Et que le Seigneur qui est bon et tout-puissant bénisse chacun, visite, guérisse, libère et vous garde dans sa paix et sa joie, tout au long de cette nuit de Pâques, tout au long de cette octave de Pâques, tout au long de cette vie qui vous reste à vivre avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, allez dans la paix et la joie de Jésus, frères et sœurs. Et on est à bientôt, à très bientôt et à la semaine prochaine, notamment à 21h, là, pour cette veillée de la fête de la miséricorde ensemble. Là, on prendra toute une heure, il y aura des frères et sœurs de la communauté. On sera plusieurs, ça sera très beau. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Voilà. La semaine prochaine, et vous voyez le bandeau, et la semaine prochaine, fête de la miséricorde à 21h sur Internet. Vous pouvez nous rejoindre, inviter des amis, et on va prier comme ça, et on va aller au bout des choses. Parce que là, on a un temps imparti, et par contre, on sera un petit peu plus libre la semaine prochaine. C'est bien ça, hein. C'est ça.
une heure pour déployer. Ouais. Voilà, on se retrouve demain pour ma part, pour le direct, avec le père Michel Martin Prével, qui va nous parler de la croix à la joie. Pareil, je vais vous mettre le bandeau, et puis on écoute la musique qu'on avait tout à l'heure. Voilà, de la croix à la joie. Et en tout cas, merci Père Jean-Baptiste. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, bonne Pâques, si on peut dire ça, joyeuse Pâques. Hein. Oui, merci, merci à vous aussi. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir, à demain. À demain. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce à grâce à